Oh là, mais c'est que ça m'a pas l'air très réglementaire tout ça. Je vais en toucher deux mots à la direction, vous allez voir. Bonjour YouTube et bienvenue dans ce nouvel épisode de Let's Play Beyond Good and Evil. Et hop, tout en souplesse. Un esprit sain dans un port sain. Ouais, aussi majestueux qu'une baleine échouée sur la plage. Ici donc le local électrique. Le ventilo, c'est lui qui fait contact. Il faudrait pouvoir l'orienter comme il faut. Merci Paige, j'étais de toute évidence trop con pour pouvoir le voir. On a tout d'abord une carte de la fabrique. Et on a ensuite ici un petit puzzle. On doit alimenter le bouton en électricité, mais le câble est en rade. Et pour ça. Non, non, pas ça. Pour ça, on va commencer par jarter Tesra, puis balancer des disques dans le ventilateur. Jusqu'à ce que celui-ci soit dans une bonne position. Voilà. Et magie, on ouvre la porte. Attendez un peu, je vais me rappeler, je vais me ravitailler en bouffe. Nom 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 nom, des bonnes saloperies. Le bon Nutril reconstitué. Nom 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 nom. Et ici, nous voici dans le local électrique à proprement parler. Jade, fusible à l'horizon. Juste ce qu'il nous faut pour l'ascenseur. Merci, Paige. De toute évidence, je suis aveugle. La ferme. La ferme. Je ne veux rien entendre. Ah, clé spéciale pour mademoiselle. Sur un plateau. Tu vas la fermer, Paige. Bon. Bonjour. Qu'est-ce que vous voulez? Donne-moi ton signal, Jade. Vous vous sentez bien, monsieur? Oh, regardez-le, qu'il est mignon à rouler partout comme ça. Je propose qu'on lui pète la gueule vu qu'il est mignon à... Aïe. 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 C'est ici un nouvel ennemi, des robots de... Alors ça, toi au moins, tu sais parler au concierge. Donc c'est un nouveau type d'ennemi, ce sont des robots de... Okay. De manutention. Et on peut les tuer de la même manière que les tourelles, soit en les envoyant dans une barrière électrique, soit en leur tapant dessus, ils vont finir par fumer et par exploser. Intrusion, intrusion, procédure de destruction. Procédure de destruction. Qu'est-ce qu'on va voir? Et quand il y en a plusieurs comme ça, vous pouvez... Que je rate pas, merci. Non mais oh, 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 oh. C'est bien fini, oui, voilà. Si vous en balancez un sur un autre, ils vont exploser au contact l'un de l'autre, ce qui vous permet de les détruire beaucoup plus rapidement et efficacement. Bam. Une fois qu'on les reste plus qu'un, bah... Aïe, what? What? Qu'est-ce qui... What? J'ai pas trop compris ce qui vient d'arriver, mais bon. C'est pas grave, on va faire comme si on avait compris. Ah, ça me fait mal au cœur. Taper sur ces petites merveilles de la mécanique. Et... derrière cette barrière électrique, on trouve un AP1. Yay! Et surtout, on va pouvoir utiliser la clé ici pour éteindre le générateur. Et en profiter pour aller récupérer les fusibles. Il y en a un derrière la machine. Et un juste à côté du bouton. Et même si vous en avez besoin que d'un pour l'ascenseur, croyez-moi, vous allez vouloir ramasser le deuxième. Parce qu'il va se montrer très utile par la suite. Et par très utile, je veux dire nécessaire. Des rats! Excusez-moi. Oui, en fait, la dernière fois que j'ai joué à... que j'ai fait un Nuzlocke sur Pokémon, j'ai été complètement traumatisé par des ratatas et...
qui m'ont one-shot beaucoup de mes Pokémon avec leur croc de mort, donc on va dire que ça m'a un peu laissé des mauvais souvenirs. Ça y est, Paige, j'ai pu mettre un fusible. Parfait. Il lui manque plus qu'un petit électrochoc pour le relais. Et où est-ce qu'on va aller trouver cet électrochoc-là? Il n'y a pas l'air d'avoir de ventilateur. Eh ben, on va tout simplement tirer dans le câble. Paige, j'ai trouvé du courant. Oh, je sais pas si ton installation est bien aux normes, mais on va être vite fixé. Pas de courant. Comment ça, pas de courant? C'est pas vrai, ça. Non, sois pas pessimiste, Paige. Je suis sûr que tout va bien se passer. Quel est le pire qui pourrait nous arriver de toute façon? Eh ben, finalement, on s'en sort pas mal, partenaire. Oh, t'emballe pas trop, Jeanne. Si tu veux mon avis, les festivités n'ont pas encore commencé. On sépare pas l'équipe. Ça commence à se corser. Au fait, Jeanne, tiens, l'autre jour, il y avait aussi ça qui était arrivé pour toi. Tu jetteras un œil. Hey, t'aurais pu me prévenir. C'est sûrement du boulot. Oui, c'est sûr. Excuse-moi, mais il y a eu tellement de trucs, Jeanne, tu sais. Non, c'est pas grave. On t'aime quand même, Paige. Ok. Ouais, ici, il faudra donner l'ordre à Paige d'appuyer sur le bouton en même temps. Et voici les monstres des monstres d'hommes, comme on en a croisé au tout début du jeu. Ce sont des sarcophages d'hommes, et je vous conseille de les prendre en photo dès maintenant, parce qu'on n'a pas l'occasion de le faire si souvent que ça. Ok, noté dans mes archives. Aïe. Ah, pas mal, ma petite poule. Sans toi, je crois bien que j'étais cuit comme un jambon. Bon. Jeanne, reste planqué, surtout. On doit d'abord évaluer leur force de frappe. Ok, à tout de suite. Il est temps de se séparer un petit peu pour une petite phase d'infiltration. Nous voici maintenant à l'intérieur de la fabrique en elle-même. Et c'est là que ça devient du sérieux. Comme vous pouvez le voir, il y a des sections alpha en bas en train de garder le tapis roulant. Et si on jetait un œil pour voir ce qu'il y avait dans ces... C'est une blague? Ils sont en train de transporter des êtres vivants dans ces caisses? Eh ben ça y est, je crois qu'on a toutes les preuves qu'il nous fallait pour croire que les sections alpha sont des monstres. Mais bref, de ce côté-là, il n'y a rien. C'est juste un cul-de-sac. De ce côté-là, on a un animal à photographier, mais il faudra... Oh, ils m'ont entendu. Ici, il y a un plan si vous en avez pas photographié un avant. Mais bon. Voilà, Ratus Albus, 750 unités. Boum. Et bon, comme je vous disais ici, c'est juste un cul-de-sac. Aucune réaction. Essaye plus fort! Essaye plus fort! Bon. Ce n'est que partie remise.
Et donc, ouais. C'est pas vraiment de l'infiltration parce qu'ils ont aucun moyen de nous remonter, de monter jusqu'ici, mais. Bientôt, on va sans doute devoir avoir affaire à ces mêmes gardes, mais à des endroits où ils pourront nous atteindre. Paige! Paige! J'arrive! Repêchez-vous, Fastan Clum! Paige. Non. Non. Non, Paige, non. Pourquoi il s'est fait avoir par des sections alpha? Pourquoi? Et pourquoi est-ce que je continue à pousser cette caisse bien plus loin qu'il ne faut? C'est l'émotion qui est en train de complètement tout me chambouler. Poussez, je vais sauter, merci. T'en fais pas, Paige. Je vais venir te sauver. Mais avant, ce serait peut-être temps de regarder ce qui est marqué sur ce M-disque, vu qu'on en a l'occasion. Jeanne, tu as hérité du courage et de la générosité de tes parents. Tu sais, je pense souvent à eux. C'étaient des amis très proches. Il y a 20 ans, nous avons été contraints de nous séparer, parce que nous avions tous de gros problèmes avec les autorités. Tes parents t'ont confié à moi. Pour te sauver la vie. Nous avons débarqué sur Hélice. À l'époque, c'était une planète pacifique. J'espérais pouvoir t'y élever à l'abri. Mais le conflit s'est généralisé. Maintenant, il faut que tu saches quelque chose. Si j'ai pu venir ici avec toi, c'est grâce au Beluga, le vaisseau spatial que nous avions conçu, ton père et moi. Il existe encore. Mais j'ai pas tout à fait fini de le remettre d'aplomb. Tu trouveras le check-up sur mon bureau. Le Beluga est chez nous. Il faut rentrer un code dans chacune des deux consoles pour ouvrir la planque. Je peux pas t'en dire plus sur ce M-disque. Mais j'espère qu'il te sera utile si un jour tu dois te servir du Beluga. Quoi qu'il arrive, bonne chance à toi, Jade. Oncle Paige. Je vais faire payer à chacune de ces ordures de section alpha de merde. Mademoiselle Osiris, il y a des gardes dans tout le secteur. Ne vous faites surtout pas repérer. On se retrouve plus loin. À tout à l'heure. Tu as pu retrouver ton chemin? Affirmatif. J'ai dû explorer toute la tuyauterie du secteur. Il y a un étrange trafic de caisses. Si vous parvenez à identifier leur contenu, envoyez-en une photo à Iris. Tu connais leur méthode? Restez accroupi dans l'ombre. Et surtout, ne courez pas. Ils ont l'oreille fine. Bonne chance à vous. Shoni. Double H nous a prévenu pour Paige. Il l'a vu entre les mains des sections Alpha. Ne perds pas espoir, Shoni. Boucle le reportage. C'est comme ça qu'on pourra sauver Paige. Ouais. Ouais. Je sais que c'est comme ça.
Faites pas attention à moi. Je fais que passer. Non, pas des rats!